et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Rana et moi, on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et bien sûr, on est vraiment heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on fait, Rana? Mouvement et coordination. Oui, on travaille la coordination et c'est pas facile. Mais c'est très drôle, en fait, parce que ça, c'est ça. Il faut, vous allez comprendre quand on va les faire. Donc, on va essayer de coordonner le haut de notre corps avec le bas de notre corps. On va coordonner gauche-droite, différents mouvements pour travailler... Justement, la coordination, c'est très utile dans nos tâches de la vie quotidienne, d'être capable de se coordonner à la marche, par exemple. Donc, on va le faire tout ça dans le plaisir. On ne fera pas des exercices fonctionnels. Donc, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous. On commence dans quelques secondes. OK, super! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Puis en plus, c'est de la coordination. C'est vraiment des mouvements un petit peu aléatoires. Ils n'ont pas une fonction d'entraînement fonctionnel. C'est vraiment pour le plaisir et travailler le cardio et la coordination. Par contre, on va bouger beaucoup. Faites attention à votre équilibre. Assurez-vous d'être sur une chaise qui est stable. Mettez vos freins, comme Rana vient de faire, pour pas que ça bouge. Et ayez une surface stable à proximité pour... en cas de perte d'équilibre. Donc, sur ce, on va y aller. Je vais juste sortir mon chrono. Je vais vous montrer l'exercice. Donc, ce qu'on va faire, on va faire abduction de hanche. On va emmener les bras devant. On ramène les jambes devant. On fait abduction de bras. Fait qu'on va faire comme ça. OK? Puis là, Rana a de la difficulté. Elle ne fait pas le mouvement complet, mais c'est pas grave. Ça contracte les moyens fessiers. Pareil, l'objectif aussi, c'est d'essayer de travailler la coordination. Tu vas travailler le haut du corps. Tu vas voir, ça va être quand même exigeant, même si les jambes ne bougent pas beaucoup. Okay? Comme ça? Oui, comme ça. Oups, comme ça, oui. OK? Allez, le dernier de coordination. On va être fatigué plus ici, je pense, à la fin, que du corps, mais c'est correct. OK. OK. Donc... Wow. Allez, 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 allez! Oh oui! Yeah! Là, on est à l'inverse, donc les gens, ils vont être tout mélangés. Fait que... Non, c'est pas grave! Wow. Ah non, là t'es plus coordonnée. Là t'es ensemble. Okay. Faut que ce soit l'opposé. Non. Reprends. OK, c'est bon, c'est terminé. C'est la première série, c'est correct. Hein? Oui, il y a aussi le problème avec mon... Ben, t'es pas obligé d'aller trop loin. Oui. Mais c'est que... Quand on ouvre les hanches comme ça, nos bras sont devant, on ramène, on amène les bras sur le côté. Fait que quand les jambes sont vers l'intérieur, les bras sont sur le côté. Quand les jambes sont vers l'extérieur... J'ai pratiqué dans le deuxième, mais le troisième, j'ai posé le bambou. OK. On se met pas de pression, on verra bien ce que ça donne. T'es okay. Prête? Okay. C'est parti. Oui. Là, t'as les jambes en même temps que tes bras. Fait que c'est un à l'intérieur, un à l'extérieur. Oui, super! Excellent. Je vais faire attention à ne pas te donner de coups. J'aime ça, on fait quasiment un beat avec nos jambes. Yeah! Bon, je vais parler pour Rana, là. Je vais vous parler à vous. Je vais laisser Rana se concentrer, c'est bon. Super! Hey! C'était génial, ça! J'aime comment tu t'es pas arrêté puis tu t'es corrigé tout de suite. Des fois, ça vaut la peine de s'arrêter puis de recommencer à zéro, mais tu étais capable de te reprendre. C'est très, très bien. OK. OK. Le dernier 30 secondes. Wow. Allez, c'est parti! On lâche pas! Je suis pas capable. Moi, les jambes, c'est bien piqué. C'est correct. Parce qu'on voit que tu essaies de faire le mouvement pareil. Là, tu travailles la coordination. Tu travailles vraiment bien tes jambes pareil. Puis, c'est le dernier. Allez, donne tout ce qui te reste.
On en fait encore deux. Un petit dernier. Excellent. Wow. Super. Donc, voilà la petite parenthèse. Aujourd'hui, c'était juste pour bouger puis avoir du plaisir. J'espère que vous avez eu du plaisir parce que, en tout cas, nous, on a ri. Ça fait ça, la coordination, surtout quand on le fait en mouvement comme ça, c'est pour le plaisir aussi de bouger. Donc, c'est ça. Bon. C'est ça. Ça fait rire. On s'en reprend, puis on prend ça avec le plaisir. Hein. Il ne faut pas se mettre trop de pression. L'exercice avec rire, c'est bon? C'est bon pour les abdos. Donc, on espère que vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, on vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Aussi, une petite note. Là, on commence à avoir de plus en plus de gens. Puis, on aimerait vraiment ça atteindre le 1000 abonnés sur YouTube. Prochainement, donc vous pouvez nous aider. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça va vraiment beaucoup nous aider. En plus, vous allez voir nos vidéos, nos nouvelles vidéos qu'on va publier. Puis, bien, c'est ça. Ça signifie beaucoup pour nous, puis ça nous aide beaucoup. Sur ce, bien, on vous dit merci d'être avec nous. Merci de faire des exercices avec nous. C'est très, très apprécié. On est vraiment contente d'être avec vous. Et on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!